Petite vidéo bonus pour connaître Cyrine au-delà de l'athlète. Premièrement, ton signe astro. Alors, je suis scorpion. Oh, t'es né quand? Le 13 novembre. Non, moi, je suis le 4. Oh, tu l'as déjà dit dans l'interview complète, mais l'âge à laquelle tu as commencé à danser? Et 3 ans. Ta meilleure compétition en termes d'expérience? Vichy, il y a 2 semaines, les régionaux. Donc, en solo et en groupe? Et en team. En Ouais, team. Ok. Ta musique de Bassiata du moment? Ah, j'ai pas le nom. Attends. Je te l'ai dit tout de suite. Vas-y. C'est. Et c'est. Suspense. Me gusta de Danny G. Ok. À quelle fréquence tu fais du sport en dehors de la danse et la compétition? Entre 3 et 5 heures par semaine. À la salle de sport, du coup. Hein? Ouais. Ok. Es-tu en couple? Oui. Ah, oh ben là, je suis obligée de faire une petite pause parce que j'allais te Ah. poser la question dans l'interview. À quel point le support de ton partenaire t'aide ou à l'inverse, est-ce que parfois ça a amené des désaccords? Est-ce qu'il comprend ton style de vie, l'implication? Je le dis parce que parfois, il y en a qui commencent la compétition et qui ne comprennent pas les réactions de leur partenaire. Tu disparais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Carrément, carrément. Bah, comme je disais, moi, j'ai quitté ma vie dans le sud. Je vivais avec mon copain. Pour moi, et ça a été le cas aussi dans mes précédentes relations, on est avec la personne pour ce qu'elle est, à 1000%. Bon, la danse, ça fait partie de ma vie. C'est ce que je suis. Je ne demanderai jamais à mon partenaire de me suivre. Par contre, ce sont mes choix de vie. Et donc, en fait, ça n'a jamais été, comment dire, ça n'a jamais été un sujet de dispute ou de discussion. Il est très admiratif de ce que je fais et voilà, ça m'apporte beaucoup. Mais je ne me repose pas sur son soutien parce que pour moi, c'est avant tout mon expérience, ma vie. Et il arrive après, quoi, en support, en bonus, plus, plus, plus. Donc voilà. Mais du coup, le conseil que je peux donner aux personnes qui commencent et qui. Enfin, on en a tous, hein, moi j'ai des amies compétitrices qui ont ce souci. Bah c'est de faire comprendre à la personne que c'est une partie de toi et que bah, c'est pas abandonner la personne, ce n'est pas passer plus de temps avec les autres, mais c'est se construire soi et que bah, si la personne t'aime vraiment, il faut qu'elle comprenne ce choix et qu'elle t'accompagne et qu'elle te supporte. Est-ce que lui fait une activité similaire qui fait que toi, tu le soutiens aussi à l'inverse? Oui. Alors, il n'est pas en haut niveau, il ne fait pas de compétition, mais il fait des sports de glisse de manière générale et du skateboard en bol qui demande énormément physiquement. Et oui, je suis sa première supportrice, je le filme. Toutes les fois où on est parti en week-end, où on voyage, on essaie de trouver des spots pour qu'il puisse aller skater quand il pouvait. Donc, carrément, je pense qu'il faut faire
des deux côtés, il faut que ce soit une balance équilibrée, quoi. Ok, parfait. Merci. Le métier que tu voulais faire quand tu avais 5 ans? Je voulais être trader. Ah Alors que je suis nulle en maths, mais comme jamais, quoi. ouais. C'est original, c'est la première fois de toute ma vie que j'entends ça. Voilà. Ta couleur préférée? Le vert. Ton film préféré? Ou The Pursuit of Happiness avec Will Smith. Ton plat préféré? Pas très original, saumon brocoli. Ah, si, c'est très très original, C'est Cyril. vrai. Personne n'aime un plat préféré. Crois, avec des brocolis. La dernière personne que tu as appelée? Mon patron. Ah, Voilà. ok. Ta boisson préférée? L'eau, vraiment. Ok. Et l'athlète qui t'inspire le plus? Oh, il y en a beaucoup. Il faut faire un choix, il faut faire un choix. Je dirais Raquel De Castro. Ok, parfait. Ben, merci beaucoup. Et pour cette nouvelle vidéo, pareil, allez voir l'interview complète. Mais tous les réseaux de Cyrine, si vous souhaitez la contacter, seront en ligne. Moi, je vous dis hasta pronto. Ciao, ciao. Patrona del suelo mío.